Il faisait un temps de cochon à ne pas mettre un Bouddha dehors ce jour-là. À Roquedonde, au-dessus de l'Odève, le temple bouddhiste est pris dans la tempête. Depuis plusieurs années, le lama Sogyal Rinpoche, fondateur de ce temple et du réseau d'enseignement Rigpa, est accusé par d'anciens adeptes d'harcèlement moral, de violence physique et de viol. Guy Durand, avec sa fille Mimi, a été pendant de longues années infidèle de ce maître tibétain. Aujourd'hui, il dénonce lui aussi des pratiques qui n'ont à ses yeux rien à voir avec les principes de l'enseignement du bouddhisme. S'en débarrasser de cette affaire-là. Le problème, c'est que on peut toujours trouver un tas d'explications dans le bouddhisme tibétain et Sogyal, évidemment, instrumentalisait le bouddhisme à son profit. Voilà. Et en particulier, cette histoire de samaya, c'est-à-dire d'engagement sacré, entre guillemets, qu'on a vis-à-vis du maître. Et cet engagement sacré, si on le brise, eh bien, on peut avoir, paraît-il, des conséquences considérables pour soi-même et pour sa famille. Et j'ai bien senti qu'à un moment, le dialogue entre ma fille et moi s'arrêtait. Et je sais maintenant qu'il s'arrêtait parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait des conséquences pour sa famille, donc pour moi. Mimi faisait partie du cercle intime de Sogyal Rinpoche, les Dakini, des jeunes filles entièrement dévouées. En 2011, elle témoigne dans un documentaire canadien intitulé « Au nom de l'illumination ». Elle y dévoile les pratiques de son gourou et les agressions subies au prétexte de la folle sagesse. Retirée de la communauté Rigpa, elle ne voit plus son père à qui elle reproche de ne pas l'avoir protégée des griffes de ce prédateur. Dominique Cowell a elle aussi bien connu Sogyal Rinpoche. C'était au tout début de l'aventure de ce maître venu d'Inde pour rallier à lui des adeptes occidentaux. Et déjà sa conception du bouddhisme était apparemment très particulière. Il y avait une femme qui était nue dans une salle et qui était avec lui et qui était très mal. Hein. Psychologiquement, je pense qu'elle avait des graves problèmes. Mais il allait balader avec une corde et il riait et il disait « Ian, Ian, Ian » comme si c'était un âne. Une humiliation mais de dingue. Et nous, on était incapables de réagir. J'étais féministe. J'étais pas du genre à me laisser faire par personne. Et je me retrouve dans une situation de grande violence psychologique, d'humiliation de cette femme. Et de ce fait d'humiliation de nous aussi, parce que... Mais on n'avait plus les moyens de réagir normalement. Son mode opératoire, c'est de violer. Mais il le fait parce qu'il peut, parce qu'il a l'emprise sur les gens. Donc les gens ne sortent pas des pièces en disant « Oh, il m'a violé ». C'est traumatisant. Donc ces femmes-là se sentent... Ou ces hommes, parce que je ne sais même pas si peut-être qu'il y a même des hommes. Ces gens... Comme moi, par exemple, ça m'a pris du temps pour pouvoir reconnaître que j'avais été abusée. Ces accusations extrêmement graves n'arrivent que plusieurs années après les faits et sont pour beaucoup prescrites par la loi. Reste qu'à l'Odève, même si le gourou ne fait plus partie des murs, son implication, si elle est avérée, dans ses crimes et délits, jette un lourd discrédit sur l'association L'Érabling, qui a vu sa fréquentation baisser fortement. Moi, je suis l'avocat de L'Érabling, de la communauté, des gens qui la composent, des gens qui y vivent, des gens qui viennent y prier, exercer leur foi, appliquer leur foi. Et au nom de ces gens-là, je dis simplement à tous ceux qui sont exprimés dernièrement dans des conditions scandaleuses que moi, je vais m'adresser aux tribunaux de mon pays. Moi, je vais saisir la justice de mon pays pour qu'elle dise si oui ou non ce temple, L'Érabling, si les gens qui y habitent sont ou non, appartiennent ou non à une secte. Le mot est lâché. S'il n'existe aujourd'hui aucune définition juridique de la secte, il y a la loi Abou Picard qui définit le concept d'abus de faiblesse et d'emprise. Pour l'avocat Jean-Baptiste Cesbron, il n'est pas question de faire le procès du bouddhisme, mais d'une pratique déviante imputable à un homme. Sogyal Rinpoche, d'après les informations que j'ai pu recevoir, me semble-t-il, se présentait en tout cas comme le maître spirituel qui dirigeait la communauté de L'Érabling. En ce sens, L'Érabling à minima n'a pas dénoncé les faits qui étaient pourtant perpétrés en son sein durant de nombreuses années, puisque moi j'ai des témoignages qui remontent, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 8-10 ans. Donc on a des agissements qui ont été répétés durant de nombreuses années et personne au sein de la direction de L'Érabling n'est venu dénoncer ces faits-là. Si les langues se délient, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, pourtant saisie, n'a toujours pas réagi. Sogyal Rinpoche continue de vivre une retraite spirituelle, quelque part en Asie, en attendant, qui sait, d'être convoqué un jour par la justice française.